Le meilleur moyen d'utiliser vos unités de javeliniers consiste à les placer en retrait de votre ligne d'attaque pour harceler l'ennemi. Cette technique fonctionne aussi bien en attaque qu'en défense. Mais prenez garde que vos soldats ne subissent pas de feu ami. Parfois, les grandes batailles sont confuses et il est difficile de savoir à qui appartiennent les unités engagées. Pour les différencier, utilisez le bouton d'icône de la faction sur la fenêtre de droite. Tant qu'il est enfoncé, vos unités apparaissent en vert, celles de l'ennemi en rouge et celles de vos alliés en bleu. Exécuté, puissant chef.
Les fantassins lourds peuvent obliger les archi-ennemis à gaspiller leurs flèches sur eux. Cette tactique est utile lorsque vous combattez un ennemi disposant de nombreuses unités de tir. Vos fantassins standards, équipés d'armures et de boucliers, font de parfaites cibles pour les archi-ennemis. Utilisez-les afin de protéger vos unités les plus précieuses. Si besoin est, vos unités de tir peuvent engager l'ennemi au corps à corps. Sélectionnez les unités de tir. Maintenez la touche Alt enfoncée et faites un clic droit sur la cible. Utilisez des flèches enflammées afin de noyer l'ennemi sous un déluge de feu. Ces flèches sont moins précises que les flèches normales, mais plus dévastatrices et affectent davantage le moral des soldats ennemis. Cliquez sur l'icône « Montrer » pour découvrir comment procéder. Lors d'une charge de l'infanterie ennemie, vous obtiendrez souvent un avantage si vous ordonnez à vos fantassins de contre-attaquer. Pour le faire de manière efficace, attendez jusqu'au dernier moment, de façon à ne pas créer de brèche dans vos lignes. Lorsque vos hommes sont engagés au corps à corps, faites un double clic droit sur un point situé derrière eux pour rompre le combat. Cette tactique peut se révéler utile si vos soldats sont plus rapides que ceux de l'ennemi, mais vous essuierez des pertes. C'est la première fois que vous cliquez sur « Capacité spéciale ». Cette icône active les formations ou capacités spéciales de l'unité sélectionnée. L'apparence de l'icône changera selon l'unité choisie. Certaines unités ne disposent pas de capacité spéciale, auquel cas, un cercle rouge barré masquera l'icône. Utilisez vos flèches enflammées contre les troupes ennemies vacillantes. La cadence de tir sera moindre et les pertes infligées s'en ressentiront, mais les flammes sont susceptibles de faire fuir les soldats ennemis. Notre chef a péri. Nos guerriers vengeront lui et ne déshonoreront pas. Anéantir tous les soldats ennemis n'est pas l'unique moyen de remporter une bataille. Vous pouvez également provoquer la fuite de l'ennemi. Lorsqu'une unité adverse est en déroute, la panique risque de se propager et de provoquer une débâcle générale. Avoir bien affaibli notre ennemi. Provoquer la déroute de l'ennemi est affaire d'opportunisme. Concentrez vos assauts sur son point faible, puis lancez une attaque puissante pour disperser les troupes fragilisées. Si vous provoquez la déroute simultanée de plusieurs unités ennemies, vous aurez de grandes chances d'entraîner une débâcle générale. Thank you.
très cruel! Beaucoup de nos guerriers ont perdu la vie! Les ennemis tournent le dos à vos unités de tir. Grave erreur. Sans leur bouclier pour les protéger, ils font une cible parfaite. Il est vital de maintenir les soldats adverses sous une pression constante. Si mettre trois unités ennemies en déroute au cours d'une bataille n'a rien d'exceptionnel, en vaincre trois simultanément est en revanche susceptible de faire perdre confiance aux troupes ennemies, vous rapprochant ainsi un peu plus de la victoire. Le chef de l'ennemi se sauve devant nous! Abattez-lui et épargnez aucun de ses guerriers! Utilisez feu!
Nos guerriers ont été vaincus cette fois. Puisse destin accorder à nous revanche.